États-Unis et le Royaume-Uni ont réclamé ce lundi la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en réponse aux images de Boutcha, ville ukrainienne où ont été retrouvés de nombreux cadavres après le départ des forces russes. Et les autres États membres et partenaires à l'ONU, les États-Unis vont travailler à la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a ajouté la diplomate, actuellement en visite en Roumanie. On ne peut pas laisser la Russie utiliser son siège au Conseil comme outil de propagande lui permettant de suggérer qu'elle a une préoccupation légitime au sujet des droits humains, a-t-elle ajouté. Une telle suspension doit être décidée par l'Assemblée générale des Nations unies, lors d'un vote à la majorité des deux tiers des 193 États membres de l'Organisation mondiale. Le Royaume-Uni a immédiatement apporté son soutien à la démarche américaine. La Russie ne peut pas demeurer membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle doit être suspendue, a déclaré sur Twitter la chef de la diplomatie britannique Liz Truss.